know what to make. Oriental poison. Bonjour à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Juste avant que cette petite vidéo commence, n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on commence par les dames comme d'habitude. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Samy, mon beau-frère. Les dames. Bah oui. Bah oui. Avec ma petite cousine quand même. Voilà, aujourd'hui, elle s'est mariée. Bah oui, c'est ma soeur, c'est pas ma cousine. Ma cousine c'est Sarah, elle c'est ma soeur. Oh, heureusement elle a entendu. Vas-y, vas-y. Bref, en tout cas, aujourd'hui, elle s'est mariée, alors je veux plein de beaux commentaires avec Amen, on compte sur vous la team. Et forcément, bah, c'est pas mariée toute seule, hein. C'est un peu compliqué, elle s'est mariée avec Samy, c'est un mec un peu compliqué. Pourquoi compliqué? C'est genre de beau frère, t'as vu que t'aimes bien. T'aimes bien. Mais pas plus. Bon. En fait, c'est genre de beau frère que t'aimes détester, tu vois. Je vois ça. Chicha, mais lui... Moi, il a fait la chicha. Mais en plus, sérieusement, aujourd'hui, voilà, je vous ai un petit peu proposé un délire. On a fini un petit peu le mariage. C'est un peu moins halal, bon, il reste encore du monde à la maison et tout. On a fini un petit peu le mariage religieux, on a fini un peu le halal et tout. Donc je me suis dit, petite vidéo où j'espère hein, vous allez rester après cette vidéo ensemble. Parce que ça veut dire que vous aurez divorcé plus vite que moi, frère. J'ai fait ça en 4 mois, j'ai l'impression que ça a été rapide. Vous n'allez pas faire ça en 5 heures quand même, d'accord? Mais je pense que ça va t'allumer. Attends, attends, c'est quoi comme question? Ah bah attends, non, des questions qu'elle a dit à ta maman, tu Non, ça c'est des questions, des non, questions. Non, c'est des questions gênantes. Non, je t'ai répondu, t'es malade ou quoi? Non, gênantes, gênantes, genre du genre qui aime quelqu'un de plus ou la haine comme ça, parce que je sais que tes questions. En fait, je crois que Clem là aussi, il va savoir que c'est un peu de... Moi je trouve que ma cousine, j'ai l'impression que ma cousine elle t'aime plus que tu l'aimes. Parce que t'as pleuré. Non, là il veut foutre la merde. Elle a pleuré 15 minutes. J'ai pleuré. Amel, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai vu d'ailleurs ce qu'il a fait. Là il veut juste foutre la merde. J'ai vu d'ailleurs ce qu'il a fait. Les questions ça n'a même pas commencé. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, maman, écoute ce qu'il a fait. T'as l'air en fait, tu t'en parles, il a sorti un produit, ta poche, il a fait ça. Ouais, j'ai vu. Et après il a fait ça. Et après il a commencé à pleurer, après il a fait ça. Après Sarah m'a ramené. Alors commence la vidéo. Je commence déjà à faire des problèmes. Bref. Alors, t'es prête ou pas? Alors, t'as pas grand-père. T'as fait des problèmes ici. Bon ma soeur, quel est dans votre couple la plus intelligente? On ferme les yeux. Ah, oui. Non, on a pas besoin de fermer les yeux, vous dites là. Par contre, on essaye de pas polémiquer sur une question pendant 40 minutes. Okay. Non, mais voilà. Les débattez. C'est quoi la plus intelligente? Bah, la plus intelligente, celui qui vraiment va gérer un peu les papiers, celui qui va gérer un petit peu tout. Papier, argent, la maison, tout. C'est quoi un rapport avec l'argent? Bah oui. L'argent. Qui gère tout. La gestion, la maison. Drame. Qui veut donner drame? C'est moi. Non, mais j'ai remarqué par contre, vraiment tout le temps, c'est les femmes qui gèrent les papiers. Les femmes elles sont meilleures que nous frère, voilà. C'est voilà. Bon maintenant on va attaquer vraiment. Quel est son pire défaut pour toi? À elle? Ouais. Arrête. Elle a chaud là. Ah, il a chaud. Bon après c'est vrai que tu n'oses pas dire en vidéo tu non c'est que je sais pas voilà. Parce que le pire je sais pas, c'est une personne qui tue. Chérie. Il faut reparler. Quand on fait la tête, si elle est fâchée, c'est difficile pour la faire. C'est tant que c'est la famille, ça. Hein, voilà. C'est toute la famille. Quel est son pire défaut? Vas-y, va se rallumer dans le vidéo. Allez. Moi je sais c'est quoi. Vas-y. Allez, Flo. T'as glissé comme ça. Comment il m'a dit ça? Non. Moi je mange la chicha. Non. Il l'engraine par là. Quoi? Jalousie. Non. J'ai rien dit moi. Non, alors franchement. Jalousie. Un petit peu la jalousie. Mais après, c'est pas ça le pire défaut. C'est qu'il sait mettre de côté. En fait, il veut tellement préserver une femme que. Non, je suis là, je vais t'expliquer c'est quoi le terme. Le terme, c'est quoi? C'est la jalousie. Le terme. C'est pas que jalousie, c'est le terme qu'il y a. Moi, le truc, frère, en fait, c'est que quand t'es venu chez moi à la maison avec ma cousine, j'ai vu plus toi avec son téléphone que. Quand t'es venu dans la maison, la première, t'as même dormi chez moi au bout d'un moment. Non, mais moi, quand j'ai pris mon, téléphone, c'est qui? Lui, quand il prend le téléphone, c'est un grand défaut ça. Maintenant, c'est bon, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais, ça va. Parce que il y a préserver, être un peu jaloux, et il y a l'autre côté.
l'autre côté. Donc après, c'est beaucoup. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Après, je dis ça, j'ai des défauts aussi, frère. Attends, des défauts. On peut pas dire à quelqu'un. Ah, ça prouve qu'une personne t'aime aussi. Voilà, mais c'est ça aussi. Oui, parce que quand quelqu'un est jaloux, je sais qu'il y a des femmes, elles aiment bien les mecs jaloux. Et je sais qu'il y en a d'autres, elles aiment pas les mecs jaloux. Moi, je sais que j'aime bien quand même avoir une femme qui est minimum jalouse. Sans ça veut dire elle s'en fout. Donc voilà. Si elle n'est pas jalouse, ça veut dire que tu dis. Bah, c'est bizarre, les femmes qui t'aiment faire. Oh, qu'est-ce que tu veux? Oh, tu seras avec des filles. Non, ça, c'est bizarre. C'est pas bizarre. Donc, une bonne qualité à elle. Comme ça, on descend un peu la pression. À elle? Ouais. Elle sait bien faire manger, faire pâtisserie. Wouah, sexiste! Wouah! Wouah, sexiste, frère! C'est pas bon. Directement la cuisine! Mais non! Directement la cuisine, vous avez vu ça? Bien bah, sûr, frère, faut entretenir son corps. Ouais, exactement. Toi aussi, ça commence à se faire voir après quand il va monter. Allez, j'ai le pantalon, lui, il va pas. La chambre, j'ai fermé moi le pantalon. Le pantalon, il voulait pas monter. Maman, t'as pas besoin de dire ça. Et toi, ma soeur, ta qualité? Débrouillard. Non. Mais laisse-moi parler. Débrouillard, c'est ma qualité à moi, ça. Bah, il a un bon cœur. Voilà, déjà, c'est bien. Ouais, il a un bon cœur. Gabak bien. Un grand cœur. Gabak. Ça n'a rien à voir avec blanc. Alors, Amel, il a un grand cœur. Non, il a un grand cœur, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec le cœur blanc. Surtout, t'as vu, quand tu demandes une chicha, Samy, il a ramené la chicha. Non, il a pas de grand cœur. Il dit, oh, dernière chicha. C'est une chicha, Samy. Ah, dès que tu casses le hein. Arrête de te casser, elle dit 300 euros, je t'ai acheté 300 euros, après tu me la casses. Arrête. Pourquoi ça, mais c'est quoi? Elle dit, y'a édition limitée. Ah ouais, parce que là, ils font des chichas maintenant. Quoi, Momo? La dernière fois, moi, tu n'as pas un grand cœur, c'est le demander du goût, il sait ce qu'il faut en 8 mois. Oh, j'avoue. Tu oublies pas, j'avoue. Ah, il est où, hein? Voilà, elle était chez moi, elle a posé la valise à la maison. J'ai demandé du goût, il n'y avait plus de valise, il n'y avait plus de chaussettes. Il n'y avait plus sa vie de cours. Il a déménagé, voilà. Il a quitté la France. Oh, il a quitté ma maison comme s'il n'a jamais été chez moi. Voilà. Allez, maintenant, c'est bon. Du leur nom, parce qu'après, vous. Non, c'est pas vrai, les gars. Dis-leur. Prochaine question. Bon, son autre pire défaut, ma soeur. Eh, ça va, il avait une qualité avant. Casse pas la tête. Mais ça fait déjà deux fois le pire. Ouais, bah c'est pas grave. Il a son chaud. Genre, quand il s'énerve, faut pas lui parler. Ouais. Ouais. C'est exagérant. Ah, ça, c'est exagérant. Ça, c'est un défaut qu'on a tous. Enfin, ça, exagérant, on a tous ses défauts. Genre. Genre, tu dis à quelqu'un, toi, je te connais. Ah ouais, tu me connais? T'as son chaud. Putain, comment tu sais? Bah, t'as déjà rien, connard. C'est normal. Mais il y a que les exagérants. Ouais, entre les deux, qui est amoureux le plus de l'autre? Ouais, c'est qui aime le plus l'autre? Tu peux pas savoir. Non, ça se non, mais même, tu peux pas savoir. T'es pas dans la tête de la personne. Parce que moi, par exemple, non, maman, regarde-moi, par exemple, t'as vu? Moi, t'as vu quand il arrive un truc d'ouf, t'as vu, pour me faire pleurer, moi, il faut y aller. Tu vois? Par exemple, t'as vu quand je vais me marier avec quelqu'un, je vais pas pleurer. Non. Mais je suis autant heureux qu'elle. Sauf que elle est plus expressive, tu vois. Voilà. Et quand j'ai la haine, c'est pareil. Ouais. J'ai la haine, j'ai envie d'exploser. J'ai toute envie de fracasser. J'ai envie d'arracher des têtes. Mais je vais garder ça et je vais pas faire tomber les larmes facilement. Ça, c'est pas bien, ouais. Tu vois. Et si on fait tomber les larmes, c'est que vraiment. Si je tombe les larmes, moi, c'est que vraiment, vraiment, vraiment. Et je parle pas. Touché. Voilà. Tout à l'heure, t'as failli pleurer. Ah oui, c'est mais ça, c'est vrai. J'ai pris mes produits toi, j'ai fait ça. Et elle avait plus beaucoup. Ça va marcher. J'ai fait ça, après, ça va marcher. Y'a rien. Elle avait plus beaucoup. Et donc, du coup, un autre défaut à madame. Un autre défaut. Un peu trop sur son téléphone. Quoi? Le téléphone, il revient souvent quand même. Ouais. Même chez moi, il reviendrait. Il est attaché avec le téléphone. Ah, d'ailleurs, il a le téléphone. Voilà, il a rien. Il aime que le téléphone. Bien, déjà, c'est gars. Téléphone un peu long. Copyright, sale gosse. Voilà le téléphone. C'est sa mère, elle lui a dit, voilà, papa. Désolé, c'est plus de 4 ans. Allez. Prochaine question, du coup, excusez-moi, il y a eu un petit problème. Qui c'est qui mange le plus? Ah, mais attends, tu manges pas. Ah, non, moi, je mets deux. Ah, moi, je mets deux. Non! C'est un bouquin historique, ma soeur! Wouah! Finir un plat! Eh, hey, maman, t'en rappelles? Ramdan! Wouah! J'arrivais, je mangeais salade, entrée, plat chaud. J'étais au dessert, je commençais à me lever, je me lave les mains. Je reviens pour le thé des réglages. Elle a encore l'entrée, des fois. Voilà, elle est entrée, en train de manger une salade. Elle mange pas rapide, elle mange doucement. Ouais, et ça veut dire, elle mange beaucoup aussi. C'est pour ça que je l'appelais bagarre quand elle était petite. Elle mange doucement, mais beaucoup. Mais beaucoup. Non, non, justement. Elle mange doucement, beaucoup. Ah, j'étais avec elle sur la route de Marseille, frère. Mon marqué, j'avais fini. Ma pas l'entrée de pêche de Marseille, tu vois, pour remonter. Je peux dire, on est arrivé à Valence. C'est là, ça commence à entamer. À entamer des burgers. Le burger. C'est une vigne heureuse. Ouais, moi, je mange beaucoup, ça, quand j'ai faim. Et aujourd'hui, qui c'est le plus heureux? Pas dire heureux. Bah, bon. Nourriture. Pas nourriture, heureux. T'as vu, il est simple, lui il est simple, je viens de comprendre ton mari, c'est bon. Alors, ton mari c'est simple, téléphone, bouffe, dormir. Non, chicha. Non, mais dormir avec la chicha. Non, pose question, comme ça, il est par contre ça, manger. T'as vu tout le temps. Bon,
Une dernière qualité à madame. Attends, le plus heureux, je pense que c'est elle. C'est son jour. Jour J, son jour. Ouais. Fatigué. Ouais. Et moi aussi, frère, c'est important. Ouais. Ça veut dire que j'ai gagné la Ligue des Champions, il faut que j'ai gagné la Coupe du Monde après quand elle est à la maison. Bah, après, moi, t'as vu la coupe aux grandes oreilles, je l'ai déjà soulevée deux fois. J'espère que la troisième, ça sera la bonne. Mais alhamdoulilah, j'ai beaucoup de Ligue des Champions. Bientôt, je rattrape le Real Madrid. On faut 15-16. C'est quoi la sérieusement. Et du coup, ouais, voilà, la dernière question, c'était une qualité sur elle. Une de ses qualités encore. À part la bouffe, frère, parce que. On a marre d'elle. Non, elle. Non, c'est vrai, voilà, il m'a dit, mais c'est vrai, elle a le cœur blanc. Elle est comme moi, ma soeur. Des fois, malheureusement, en fait, ses dires vont dépasser ses pensées, tu vois. Elle va dire un truc méchant, mais elle le pense absolument pas, tu vois. Ses qualités, bancaire, voilà. Femme tu de foyer. Et l'inverse. Généreux. Enfin, ça dépend. Ta bâtisse changera pas du coup. Il est où le gris? Mais franchement, ça va, il est généreux. Quand tu demandes un truc, même s'il l'a pas, il te ramène. Et du coup, un défaut et une qualité sur moi, vas-y, fais ta plaisir. Je commence par les qualités. Qualité, oh là, je vais pas te mentir, t'es quelqu'un, t'as vu, c'est DZ. Donc on s'énerve vite. C'est une qualité? Non. Ah, d'accord, pardon, je suis bon. Tu commences par les qualités, DZ, tu t'énerves vite. Je dis, oh, c'est une qualité. Attends, mais c'est pas toujours une qualité. Ah ouais. On se laisse pas faire. Ouais, on se laisse pas faire. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Ça dépend avec qui, ça dépend à quel moment, ça dépend dans quelle situation. Défaut d'Abdel, il oublie beaucoup. Moi, je suis sa mère. Ça, c'est vrai. Il oublie beaucoup. Allô, oui, Abdel. Oui, demain, maman. Après. Oui, maman, demain. Si quelqu'un te connaît pas, il dit, il s'en fout de toi. Ah oui. T'as un défaut, ça. Oh. On dirait, il a l'Alzheimer. J'ai l'Alzheimer. J'oublie, t'as vu. Mais quand t'as dans un salon, bizarrement, à la maison, un nouveau salon, j'arrive pas à oublier parce que tu m'appelles 8 fois par jour. Là, je peux pas oublier. Par contre, quand c'est pour un couscous, elle m'envoie limite un snap. Un couscous. Il faut que je me rappelle du couscous. Par contre, quand une fois qu'elle appelle, je te jure, elle m'appelle 6 fois par jour. Oui, Abdel, tu me le commandes, tu me le commandes. Et elle appelle même Momo. Et t'as un bon cœur. Ça veut dire que t'oublies, comme elle a dit ta mère. Mais Zama, c'est pas méchant. Moi, au début, je te connaissais pas. Ouais. Je te demandais un service. Tu m'as dit, ouais, t'inquiète et tout. T'inquiète. Et t'oublier. Voilà. Après, je le prenais moi. Je dis, ouais, voilà. Tu sais, je te prenais un peu de rôle. Je dis, ouais, le mec, c'est bon. Il file le bon. Et même, t'es venu chez moi à la maison. T'es venu chez moi, donc t'as vu un peu comment je suis. C'est ça. Donc, j'ai vu que. Tu as vu comment il vit. Voilà, c'est pas de l'oubli. Ouais, voilà. Et même, c'est pas du tout. Même mes partenaires, des fois, les gars, je vous dis la vérité, sans vous mentir, ils sont passés par quatre chemins. Des fois, je vous jure, même pour un placement produit à 10 000 euros, je vous jure, et Alex est devant vous. Pour un placement à 10 000 euros. Je dois le faire lundi. Ouais, ouais, manager. Ouais. Mardi, toujours pas. Abdel, je te relance. Le partenaire, genre, ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, c'est bon, je le fais. Allez, tu me dis, allez, viens, on le fait, frère. Je le fais, bam, on le fait. Argent par argent. Non. C'est une question de. C'est un défaut. Il te faut du tri. Même, je l'envoie acheter, il me ramène. Je dis, l'oignon, il me ramène tomate. Tomate, ah d'accord, ça va, vas-y, encore, il revient, la monnaie, il n'y a pas. La monnaie, c'est bon, la monnaie, tu rembourses. La monnaie, il n'y a pas. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore trop les tickets de caisse, t'as vu, d'avant. On pouvait prendre des bonbons un peu à l'époque, tu vois. Et du coup je t'ai dit, qualité. Ouais. Bon cœur. On est encore sur qualité. Bon cœur, quelqu'un de sociable, quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui accueille les gens chez lui sans arrière-pensée, même malgré que tu avais ta femme à la maison, quoi, c'est vrai. Ouais. Et le défaut, déjà il te faut du tri dans ta vie. Voilà, sérieusement. Il faut que tu te poses, frérot, tu fais tes papiers, il te faut du tri, les bonnes, les mauvaises personnes. J'ai fait du papier déjà. Et ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur de se retrouver un peu seul. Putain, je savais, je vais. Putain, carton. Ça va gicler dans toute la pièce, c'est vrai, parce qu'il a trop peur de rester seul. C'est ça. Et tu penses plus à YouTube que à t'occuper de toi-même. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'as compris ou pas? Ça, c'est vrai. Je dors YouTube, je me lève YouTube, je mange YouTube. Et ça, c'est pas. C'est bien, parce que tu charbonnes. En fait, la personne qui est à côté de toi, moi, j'ai vu quelque chose. C'est que tu te sens un peu seul. Parce que tu ne me calcules pas. Tu vois, tu es sur ton tel ou là, tu tournes des vidéos. Mais tu dis, je suis là. Je pars. Tu dis, tu es là, tu es posé avec lui, tu es venu de Lyon ou de Paris, tes amis viennent. C'est vrai. En fait, tu viens et la personne téléphone ou la YouTube, tu vois. C'est donc ça fait que tu passes pas autant de temps. Dis-moi la vérité, depuis que t'as le canapé là, t'as acheté la télé, tu te poses combien de temps dessus? Le canapé avec la télé, franchement, bah demande à Alex. Hein. Voilà, c'est semaine que tu te poses 10 minutes dessus. Voilà. T'as capté ou pas? Faut profiter des choses que t'as. Moi j'ai regardé ton garage. Frérot, moi j'ai un garage comme ça, t'es passé tous les jours. Tous les jours, motocross, quad. Mais c'est la vérité, il faut profiter des choses qu'on a. Prends le temps malin. Ce qu'il faudrait, c'est pas cacher. C'est que Ntéa, écoute-moi. Merde, en plus, je vais s'allier. Ce qu'il faut, c'est. Regarde, je te donne un exemple simple.
Alhamdulillah, maintenant YouTube, c'est de vivre bien, on est d'accord. Alhamdulillah, ouais. Alhamdulillah, ça me permet de t'offrir une caméra. Attends, ouais. Attends, elle n'est pas encore là. Donc, ouais, c'est pas arrivé. Attends, laisse-moi finir. Ouais, ouais. Du coup, ce qu'il faudrait, tu vois, moi si j'étais dans la même situation que toi, je les ramène, je prends ta mère, ta tante, ta grand-mère, tes nièces, je me taille, petite villa, tous ensemble. Et sur la tête de c'était prévu. Quand si tu ne bouges pas. Et bah, on a parlé de ça, ça y est. C'était prévu. C'est pour on ça. A fait le programme. Et tu vas kiffer ta race. Ouais. Et quand tu vas kiffer, si tu vas kiffer. On va faire un voyage. Par contre, pas de YouTube. Non, pas de YouTube. Ouais. La famille, on a vraiment. On l'a avec la famille. T'as vu ? Et tu vas voir. À l'époque, je regardais tes vidéos. Tu faisais ça un peu. Ouais. Tu ramenais un peu tout le monde chez toi. Ouais. Voilà. Ouais. On fait barbecue. Ouais. La famille. C'était la patate, hein. Ouais, tu sais ce qui était bien, c'est que j'avais les vidéos sur YouTube, donc je les ai regardées. Chaque semaine. Et on rigolait tout quand tu étais mort de ma gueule. Et je t'ai dit, les côtelettes, j'ai acheté pour que ta grand-mère les regarde dans la vidéo. Et grand-mère était devant, je lui dis, ouais, mais ma mère, elle me dit, oh, t'insultes pas ma mère. Hein. Je lui dis, mais regarde, c'est bon, ta grand-mère, elle regarde. Il demande ça. Il demande à Abdel qui fait des vidéos avec la famille. Plus. Voilà, voilà. Bon, ben voilà la famille. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Ça s'est un peu mal terminé à la fin pour moi. C'est grave. Prenez soin de vous et d'Anifa. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Merci. Pouce bleu.